Bébé, tu connais. Je suis dans le Benz comme jamais. Que des gros bonnets. Mauvais garçon, c'est un bourgeois. On mène la belle vie. Bébé veut Gucci, Chanel. Au poignet, la Rollie. Le temps, c'est de l'argent, ma belle. Bébé, tu me connais. Je suis dans la zik, la drogue. Je suis dans les trucs de choses. On veut encaisser des billets, du verre, du mof. Donc j'envoie au clinch les doses. Elle me trouve mignon. Elle veut que je lui propose des vacances à Mykonos. Je suis dans le Gamos, dans le Urus, le Porsche. Obligé que je tape la pause. Fais quoi maintenant? Oui, c'est tentant. Je sais que tu me veux, toi, non, ne fais pas semblant. On fait quoi maintenant? Oui, c'est tentant. Je sais que tu me veux, toi, non, ne fais pas semblant. On veut les billets, dans les projets, toutes les couleurs. Du jaune, du vert et du violet. Des quiches, t'as des liasses multicolores. Elle veut un selfie, la petite est fraîche en minatin. Elle veut goûter la belle vie, mais j'ai déjà ma go, tu l'auras pas. On fait les trucs de chance, trucs de chance. On fait les trucs de chance, trucs de chance. On se retrouve en live sur YouTube, sur GTA VFM. PC Gamer, PC Gamer. I3. GTX 650, mon genre très graphique. On est sur YouTube. On se retrouve en live. Oh, fils de pute. Oh, fais peur. Allô. Ta gueule. Wesh. Wesh, les gars. On va bientôt partir en RP là. On va bientôt partir. Hello, on est. Wesh. Hello, what are you? What are you? Dans ta gueule. Il mange banane. Frère, j'ai coupé le chat de faucon de ta mère là. Fils de pute. Allez les gars, go se faire chier. Les trucs de choses. Attendez les gars, attendez. Faut qu'on mette de la vraie musique là. Mais pas ça. Mais pourquoi? Mais c'était sûr. Skrrt pow. Skrrt miaou. Bang bang. Attendez les gars. Là c'est la meilleure autoroute les gars pour faire ça. C'est parti, Allah Dreri, c'est parti. Attendez, 1, 2, 3. C'est pas ton argent qui nous intéresse. On peut venir prendre tes affaires là où tu crèches. Te confie pas à la putasse que tu baisses. Te confie pas à la putasse que tu baisses. On a commencé par le jeep, pas par le vol. J'ai commencé mes premières transactions en vélo. Viens nous voir qu'on a du filtre et du bédo. Élève dissipé quand ça parle de gueule. Je peux devenir violent si tu dénonces. Si je déboule cagoulé ganté, c'est sûr que tu vas briquer. Nique sa mère le passé, nique sa mère le passade. Nique sa mère le passé, nique sa mère le passade. Les keufs veulent me péter, mais moi je suis intraçable. C'est pas les bleus qui vont péter, c'est incapable. C'est pas les bleus qui vont péter, c'est incapable. Même si je suis trop pété sous camas. Même si je suis trop qui on y va. Si j'en fume la guitare, si ça fait arrache, je suis plus dans les parages, on veste qu'il est battu, on veste qu'il est. Oh là, on a 400, allez go le 500. Ouh, putain ta mère. Frère aussi, le 500, comment tu le tapes? Oh, j'en vais loin lui. Allez, je dorme, c'est ou quoi? Police, la police des autoroutes. Normalement, c'est nous les police des autoroutes, gendarmes. On descend de l'auto tout en or masqué. Tout le monde est armé, personne peut nous calmer, personne peut nous parler, encore moins les casqués. On connaît les faux voyous déguisés, aux grillettes, tranchants bien déguisés. On n'est pas venu pour sympathiser. Devant le PJ, je suis pas prêt de baver. C'est pas pour rien qu'on m'appelle. Le risque toujours présent, où y'a du papier. On fait pas partie des enfants gâtés. Non. Coulouna dehors, ça part du gâteau. On fait pas partie des enfants gâtés. Coulouna dehors, ça part du gâteau. On fait pas partie des enfants gâtés. Ah, ça rend fou là. Il faut que j'arrête de drift, faut que je sois concentré en conduite là. Attendez, regardez ce qu'on va faire.
Voilà, c'est Travis. C'est très rapide, regardez bien ça. Je peux venir t'allumer en Yamaha. Dans tes tutos en or, casquette Yamaha. Voilà. Ça c'est bon les gars. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. T'as reconnu l'équipe? T'as senti l'équipe? Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Tu t'es fait rafaler dans le dos. Trop long pour que tu nous rattrapes. T'es né dans les choux, je suis né dans la braque. La liberté mon frère c'est savoureux. Tu rentres chez les tafs, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, et W est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle Yas, Rolls Royce, pétasse, constable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On compte en l'air, I get it, I get it. On compte en l'air, talk about it, I live. On compte en l'air, fly cars, I whip. On compte en l'air, big money, I flip, huh? Left on the plane, came on the boat. 300 chains came in her throat. Ain't no telling where a nigga might be. Nigga game floor seats right next to Spike Lee. I be hiding the motherfucker, flying in the motherfucker. 500 horse, ride like a motherfucker. Please tell me what these niggas selling. Wesh, j'arrive plus à mettre en jeu. These niggas telling. Champagne like July 4th. Buggy out Porsche. Beat the pussy up. Scott Storch. Montana again. A-Rap money. Laughing to the bank. Cause these niggas funny, huh? Vegas. Vegas. Rolls Royce, pétasse, constable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On compte en l'air, I get it, I get it. On compte en l'air, talk about it, I live. On compte en l'air, fly cars, I whip. On compte en l'air, big money, I flip, huh? All we do is get money, huh? Pull up in the yacht, count hundreds, huh? European car, bad bitches, huh? Fly young rich nigga. Tu ne verras pas si c'est pour des loves. Pour avoir ta chatte, t'auras jamais du mauve. 6.3 frérot, je te vois plus. Si tu parles aux ailes, je suis toujours à la vue. Nouvelle caisse, nouvelle Yas, Rolls Royce, pétasse, constable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On compte en l'air, I get it, I get it. On compte en l'air. Ça c'est bon. Y'a plus de musique, y'a plus de musique sur ça. Et où pas le Supra? Ça c'est la voiture ça. Supra MK4. Bon, c'est pas la série de Fast Furious, mais c'est la série normale quoi. C'est la Supra normale, mais elle est puissante de base. Après c'est moi qui ai mis des petits trucs là, je les modifie, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. x16 partout mon pote. Après je peux mettre plus haut, mais sinon c'est trop puissant, j'arrive plus à la contrôler, elle part en tête à queue après. Mais déjà là ça va, là elle pousse bien pour un véhicule. Il y a pas de ça va, elle patine pas trop, tu vois, elle glisse pas beaucoup. Genre ça va, c'est contrôlable quoi.
a trop souffert. Le regard en dit long, je suis dans la GAP. J'aimerais juste fumer un bilan. Le bon fait long. Des millions dans mes visions. La voir emporter des lunettes qui dépassent du bas en nylon. Assez ramassé, ça c'est jamais possible. On va t'aider ta mère, oui, ça c'est vrai aussi. J'ai grandi en France, je vis ailleurs. Je vais mourir en bête. J'ai des amis d'enfance qui rêvent de me griffer des problèmes. Malheur, raison, bonheur, réseau, placard, vacances, terrain, placard. Ici on n'est pas la hagra, donc il ne me suit. Mais lui, une tarte sur une bécane, il revient dessus. Je pourrais me faire fumer le jour où mon mari ira. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu m'haïras. J'ai voulu te faire mais c'était qu'un mirage. Faut que j'attende la prochaine entrée pour l'arrivée. Je ramène le bif à la maison, je suis dans la maison, je suis dans le bif à la maison. Tu joues ma max ? Vas-y, attends. On va sur une autoroute, attends. On va aller. Attends. Qu'est-ce qu'on peut aller pour une bonne autoroute ? Faut une ligne droite. Ici, là. T'es malade, tu vas péter ton crâne. Si je la mets à fond, c'est comme toutes les voitures, hein, justement. Les gens qui sommes à la fond, tu vois, il y a le turbo et tout. Et si je paye le multiplicateur à fond, regarde. 1000. Elle est incontrôlable, je te le dis. Elle est incontrôlable. Là il est kilométreur en bas à gauche, là, en bas à droite, regardez, il est kilométreur. Elle est incontrôlable. Je suis obligé de suivre le mur tellement. Elle est incontrôlable. Et j'ai tout, parfois j'arrête d'accélérer. Ah, à peine j'appuie un petit coup, c'est bon. Et je peux même pas taper 300. Alors qu'avec l'autre, je peux aller à 500 sans glisser. C'est trop de vitesse, attends. On va faire de petit à petit si tu veux, par contre. Genre, on va commencer à ça. Et on va augmenter de plus en plus. Regarde. Peut-être là, ça sera possible, mais... Je sais pas trop, hein. Je te demande pas. Parce que même là, ça va être incontrôlable. Parce que j'ai testé à 32. Même à 32, elle est limite incontrôlable. Tout seul, elle est incontrôlable, tu vois. Elle est vraiment incontrôlable.
Attendez les gars, on va se connecter en RP. Ça prend des années de prison mais ça garde le temps plus gros si ça merde. Mets de l'ammoniaque dans la maison, je la garde, demande que je la rappelle. Ça c'est pour échauffer les gars. Et j'en doute pas que j'en doute pas qu'au cas où, maintenant qu'on va aller en free access, en free room comme ça là, ou en free access. Et ben on va mettre le pack que j'ai, un pack où même il y a les retours de flammes, vous voyez les petits comment dire, les bruits de retour de flammes, les trucs comme ça, il y aura en gros, il y aura, je vais changer à chaque fois le pack de son, je devrais l'enlever à chaque fois par contre. Il y a un jour que je joue en RP, ben faudrait que dans la whitelist, faudrait que je le remette, c'est ça qui va être chiant en fait, il faut jouer. Attends, je me code en RP les gars, je vous mets l'écran. Attendez les jeux, gars, je me cours. Tac, je vous mets le jeu, hop, hop, tac. On va se mettre en tac radio. Pré-service pour GAV première classe Mouloud. Y'a personne ou quoi? Non. Je vais me mettre en push to talk. Je sais pas s'ils ont remis la neige à ce que je vois. Parce qu'en fait, dès que j'arrive, il télécharge encore le truc en fait. Ouais, le mapping il charge pour moi en fait. Du coup, s'il y a de la neige, je vois pas encore. Ah non, ça va, ils ont pas mis. Qu'est-ce que c'est bon? Il y a personne ou quoi? Et j'avais première classe. Y a-t-il des agents disponibles pour me prendre au commissariat de gendarmerie. J'entends pas ou quoi? Ils sont en Discord, hein, ils sont en Discord, ça veut dire qu'ils sont connectés. J'entends pas ou quoi? Attendez les gars. Respect. Y a-t-il quelqu'un qui peut me prendre au commissariat? T'as du quoi? Y a-t-il quelqu'un qui peut me prendre au commissariat? Ouais, j'ai. Au commissariat? Oui, au commissariat de la gendarmerie, quoi. Ah, ok. Tu peux aller sur la radio 212 ou pas une game parce que... Mais j'y suis, vous m'avez pas entendu? Ah ok, on va au commissariat. À la brigade, pardon. Attends, vous avez pas entendu quand je vous ai dit que j'étais en service et tout? Non. Wow, non, ça recommence. Non, regarde, je suis pas en contre-sens, regarde les flèches. Bref, vas-y, on va le chercher à la brigade. Mais là, tu parles sur quoi? Sur Discord ou in-game, là? Mais je te parle sur Discord, là, moi. Oh là 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 là. Bon, allez, on va à la brigade. Test radio pour JAV première classe? Tu m'as entendu, là? Non, je t'ai pas entendu. Attends, quoi, bah, attends, je me mets Discord. Mais c'est quoi cette radio qui bug? Sérieux?
Ça rend fou les radios qui bug. Tac, 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 tac. Test radio pour GAV première classe Mouloud. Ah mais je sais, je suis con. Test radio pour GAV première classe Mouloud. La MJ, il me reçoit. Je vais chercher à la brigade. Ok, merci, c'est bon. Ok, enfin. Oh ouais, j'ai le cadeau pour Sofiane, les gars. J'ai le cadeau pour Sofiane. Hier, je l'ai acheté ça. Ah, je l'ai oublié. Oh là, je l'ai oublié. Oh là, c'est le chien bâtard. Oh putain, c'est quoi le bâtard que je suis là? Oh putain, oh, je suis un sale bâtard quand même. Hein. Oh, putain, désolé. Tour. Les frères font le tour, j'ai pas besoin de faire un tour non plus, wesh mon ref. Vas-y, conduis. Vas-y. Vas-y. Merci. Les collègues. Mes respects, mes respects. Le véhicule il est je crois qu'ils seront pas assis. Ah non, pour moi non. Non, ça va. Ok. Essaye d'aller dans le centre-ville ou je sais pas. Ok, ok. Moi je suis en ce moment, je sais où je patrouille en C4, c'est comment dire, vers l'autoroute plage parce que. Oh là 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 là, c'est Moulou qui conduit. Oh, on est mort. La pourquoi mort ils font assurée. Du mal. La mort assurée des frères. Laisse-moi conduire, laisse-moi conduire. Non, il m'a jamais vu conduire, mais bon. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais. Non, de toute façon, il dit ça, mais il sait pas conduire lui non plus, hein. Lui, il est. Les véhicules, c'est tous des 4x4. Attends, tu sais que tout à l'heure, lui, il arrive, il s'est pris un palmier, ce con. Il y avait un trou dans la mégane. Mais c'est normal, il y avait une voiture en plein milieu de la route. Et après, tu sais ce qu'il me dit? Et après, il me dit, ouais, tu conduis mal, t'arrives à rien et tout ça. Ouais, il me dit, c'est ma faute. Crois-le. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'il m'a jamais vu conduire, il me dit, je conduis mal. Mais lui, c'est un matrixé, lui. Attends, on va aller à la citerne. Enfin, à la truc d'essence. Frère, Laurent Gussen, il est élégant. Oh, il y a plus d'essence. Je ne l'ai pas vu une seule fois de ma vie. De qui? Laurent Gussen, il est élégant d'armes, je l'ai pas vu une seule fois de ma vie. Mais bien sûr que si, tu l'as vu hier, non, Laurent Gussen. Ouais, mais c'est une expression. Genre... Vous avez du liquide ou pas? Parce qu'à droite, il y a une station, mais il n'y a pas de distributeur. T'inquiète, j'ai du liquide. Vas-y. Parce qu'il n'y a pas de distributeur là-bas. J'ai un peu de monnaie. Oh, moi, j'ai zéro. Un accident et c'est mort, hein. Froid. Bah c'est mort. De quoi ça, j'ai pas compris. Ouais. Mais lui, ça lui jamais tu le laisses conduire, c'est simple. Hier, il a écrasé quelqu'un, ce malade. Ah oui, c'était lui du coup. Ouais, hier il a écrasé quelqu'un, ce malade. Ah, et j'étais dans sa voiture. Il m'a cassé les couilles aussi, il fallait pas qu'il me casse les couilles comme ça. Vas-y, descends, ouais, collègue. Descends. Je veux pas descendre. Je crois que tu vas pas réussir à mettre de l'essence, hein, si tu le mets, s'il est dedans. Si, je sais pas. Mais monte pas dans le véhicule, monte pas dans le véhicule. Ouais, je sais. Si tu me fais payer pour rien, je te jure, tu vas me rembourser. Il a chuté qui? Il a chuté bugué, c'est vous là? Oh, il est trop. Dans même dans tes rêves, tu me crois lui. Déjà, va conjuguer tes verres. Allez, bonhomme. Oh la
ma tête c'est fait. Allez, culotté pour une personne de 14 ans qui n'a pas le brevet. Mais quoi? Mais c'est un malade. C'est un malade. Oui, oui, oui. Je te dis, hey, Lulu, c'est un malade. Je te dis, je te jure, il me refait mes journées. Mais par contre, parfois, il est relou. Eh, mais je te jure, lui, c'est un malade. Non, mais c'est culotté, faut ce qu'il faut. Ah, d'ailleurs, attendez, j'ai un cadeau. Après, on va l'offrir un cadeau à. Comment il s'appelle le collègue Alex. Oh non. Attendez, vous voulez que je vous dise le cadeau? Ah si, Alex, je sais qui c'est. Alors attendez, je vais vous dire le nom du paquet. Hein. Alex, qui a 13 ans. Alors, croquettes pour animal de 6 ans. Ah vraiment, hein, j'ai vraiment acheté des croquettes. Hein. Non, j'ai vraiment... c'est quoi, croquettes pour animal de 16 ans? De 6, 6. Oh, c'est niveau assez vieux, quoi. Kefta, ah, mais c'est pas Kefta. Kefta? Magdou, me laisse-toi conduire, s'il te plaît. T'es un bon, merci. Magdoum, je te braque, qu'il soit conduire. Oh, j'ai une GoPro accrochée à l'eau, j'ai les pare-balles, hein, collègue. Ah, mais voilà, pas que je fasse la balance comme le collègue là. Attends, je casse ta GoPro. Oh, c'est bon. Ah oui, vas-y, bah, ça tasse dans la GoPro maintenant. Ah ouais, c'est comme ça. S'il vous plaît, les gars, soyez sérieux, y'a que moi qui est sérieux là. Moi je suis sérieux. Bah oui, toi t'es sérieux, allez. Yacine, t'es sérieux, je te jure. Culouté, Kurt. Ah, sérieux lui? Oh, faites quoi là? Oh, oh, oui, oh. Arrête. Vous êtes malade? Mais oh. Attends. Oh, t'as de la chance que je conduis pas. Oh, je le remets en place, bien. Tu vois, heureusement qu'il conduit pas. Attends, comment il se positionne, menace. Lui Monsieur. Oh merde. Monsieur, ce monsieur là, il arrête pas de faire n'importe quoi depuis tout à l'heure. Oh, oui, est-ce monsieur. Que vous pouvez vous mettre bien sur l'autoroute, s'il vous plaît? Sur l'autoroute? Sur la. Mettez-vous, sur la si route. Vous voulez garer, mettez-vous sur le parking derrière, là. Enfin, l'arrière, les places de. Attends. Oh, monsieur, votre collègue m'a foncé dedans. Ah, mais je l'ai même pas foncé dedans. Oh là, oh là, là. Mais monsieur, vous avez une plaque d'immatriculation arabe. Chef, c'est le karma. Ça, c'est le karma. Descendez du véhicule. Bah, monsieur, c'est pas ma faute, c'est monsieur le maire qui m'a dit comme ça. Bah oui, pas de problème. Je suis monsieur, vous inquiétez pas. Non, tu descends. Descendez. Ok. Je voulais vous aider. Merci. Je voulais vous aider, monsieur. C'est quoi votre nom, monsieur? Oh là, oui, pas de problème. C'est quoi votre nom? Ok, James Carlos. Mais il est sourd ou quoi? C'est quoi ton nom? Il m'a passé sa carte, il s'appelle James Carlos. Ok, vous avez permis de conduire ou pas, monsieur? Il vous l'a déjà donné? Ouais. Donnez-moi votre le numéro de votre permis de conduire, s'il vous plaît. Numéro 47. Bon. 40 combien? 47. Moi, tout va bien. Ok, James Carlos, 7 points sur le permis. Moto, voiture, bon, je vous ai enlevé un point, parce que seulement on voit public dérangeant. Ok, très bien. La voiture lui appartient bien ou pas? Alors je vérifie ça. Ouais, elle appartient à lui, allez. Bah attends, on vérifie quand même. Allez, coupe ta vie, allez, on me casse. Eh, parlez-nous mieux. Non, votre collègue il est pas. C'est bon, ça lui appartient le véhicule. Tout est à sa plaque, à son nom. Moro. Attends. Ah bah non. Tu reviens. Laisse-moi conduire. Mais regarde comment tu conduis! Je conduis parfaitement bien. Eh hey, mais laisse-moi conduire, je te jure. Je descends. Oh monsieur, votre véhicule patine trop là. Arrête. Faites frais. Je te jure, laisse-moi conduire, change de place, s'il te plaît. Oh là 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 là. Et c'est lui que je lui retirer des points sur son permis, je te jure. Oh mais tu veux que je fasse tout le tour là? Non mais t'es fou. Bah il continue. Bah oui, non mais oh là 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 là. Oh là là, crois-le. Oh là, à droite. Oh là là. Oh, il est trop con. Mais c'est pas là la droite. Oh putain. Si c'est là à droite. Non, c'est à gauche ça. Oh là 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 là. Oh là là, il a la gendarmerie. Hein. Je crois qu'il était parti à droite. Derrière. Parc central. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, je sais pas conduire, je suis nul en course poursuite. Crois-le. Oh, il a pris un mot depuis sa carrière, frérot. Il a fait que le répéter. Eh, tais-toi. Il est où maintenant? Je sais pas, il était parti ici, j'ai vu derrière, il était en moto. Monsieur. Il conduit avec des palmes. Monsieur, je vous dérange pas de faire un détournement là? Comment?
Vous venez de faire un détour là sur la route, je croyais que je vous ai pas vu. Non. Attendez, mais les collègues, je louche ou c'est comment là? Monsieur, un peu. Bah, monsieur, j'étais loin, tout là-bas. Et j'ai fait un petit tour là-bas. Et je suis revenu ici tranquillement. Ouais, c'est ça, ouais, continue. Bon, moi je vais là-bas. Hein. Après, je fais un détour là-bas. On va là-bas après? Ouais, on va là-bas. Et là-bas, après, on va là. Hey, Yacine, laisse-moi conduire, s'il te plaît. Mais regarde, il roule en sens interdit. Il est encore en sens interdit. Oh là là. Vous allez bien, monsieur l'APN? Oui, monsieur. Bah, je dépose. Ce mec. Ouais, mais c'est trop, je te jure, c'est trop. Mais j'ai un peu mal, j'allais me désintégrer. Montez. Vas-y, montez, collègue. Ok, monsieur. J'ai pas la voiture, la moto, Wow. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu rien là. Ah. Je sais pas. Eh, hey, regarde, tu vois, quand il conduit, on a perdu le truc du capot. Mais il y avait vraiment rien là devant. Hein. Bah oui, bien sûr. J'en peux plus de toi. Tu vas repayer le Noroto, hein? Non, c'est toi qui paye. Est-ce toujours les os, lui? Allez-y, monsieur la PN. Tu vois comment. Regarde comment il est. Yacine descend en même temps. Monsieur la PN. Ah, mais pourquoi je peux pas? Ah, la ceinture. La ceinture, peut-être. Oui, merci. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Pouvez-vous décaler, s'il vous plaît? Eh ben. Plus de capot, moté en chicha. Mais assume. Mais j'en peux plus de lui, mais j'en peux plus. Eh hey, mais, regarde, on roule à 50 à cause de toi. Non mais par contre, je te jure que... Mais je... regarde comment il double les gens. Mais mec, mais... Eh, mais où, mais... Attends, on va la voir. Je te jure, je pense à un truc, il y avait vraiment rien devant moi. Hein. Bah ouais, bien sûr, crois-le. Et je vais t'insulter, moule, s'il te plaît, frère. Oh, fin, truc. Hey, tu vas laisser faire de toute façon. T'as eu ton permis où, juste collègue? Hein? J'ai eu ton permis? Non, mais ton permis, les deux. Parce que même au Congo, on conduit mieux. Là, je conduis, je suis à 180 degrés, c'est normal. Là, je fais mon siège, c'est normal. Là, je me mets droit, je vous jure, je conduis trop bien. Ah bah oui, normal, c'est une ligne droite. Encore, il roule à 200 en ligne droite. En gros, là, je suis couché. Et encore un feu rouge. C'est notre problème, ça? C'est toi qui veux conduire? T'es qu'à te mettre bien le siège et etc. Ouais, mais j'ai la flemme. Tu te sens pas? Je suis plus tranquille là quand je conduis. En fait, mais et toi, bien, t'as qu'à aller à la police nationale, hein, au lieu de venir à la. Culotté. Au pire, va douanier, hein, comme ça tu t'assieds toute la journée. Hein. Bah quoi? Un douanier. Ça veut dire quoi, un douanier? Bah en gros, il va à la. Comment dire, oui, entre les chaque ville. Vrai, entre chaque ville. Tiens, en gros, il fait les. Comment dire, les barrages, etc. Mais il est pas douanier lui. Non mais ce que je suis en train de dire, alors il va douanier, quand ça il a toute sa journée. C'est moi ou toutes les personnes qui ont 14 ans dans la gendarmerie, ils sont cons? Moi ça, ils sont cons. Et j'ai 14 ans moi. Bah... J'ai 14 ans, j'ai 27 ans. Ah putain, ok. Attends, on est bien d'accord? Mais comment il roule? Mais en plus il a des problèmes de tête, ce con. Non, c'est toi qui as un problème de tête. Mais pas du tout. Ça va très bien, Moulou, on est d'accord, ça va très bien. On est au commissariat, on est au la gendarmerie là. À la brigade. B-R-I-G. Je suis habitué, moi, j'ai une US, collègue. Faut que je m'entraîne encore. Putain. Raciste. Oui, je suis raciste. Ouais, rien à voir au racisme, mais bon. Oui, je suis raciste. Allez, je suis plus jamais conduit. Y'a pas un autre collègue à venir, on va en patrie. Viens, on va tous les deux. On laisse tout seul. Il a droit? Ouais, t'inquiète, il a droit, vas-y. Ah non, j'ai pas envie de mourir, je tiens ma vie, moi. Non, on monte pas avec toi, tu me laisses conduire. Lentement, toi. Non, t'es trop lent. Mais non, mais moi. Mais c'est logique, faut respecter la. Oui. Non, t'es trop lent. Comment ça? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais oh là là. C'est à cause de ça que t'as écrasé quelqu'un, on te rappelle, hein? En gros, vite. Dehors. Voilà. Yeah. Dégage. Viens, on va radioder un autre truc là. Vas-y. Vas-y, démute-toi Discord là, je te parle. Sac, c'est bon, je suis en push to talk. Ok, vas-y, attends, j'ai sorti le kangou, nous on va respecter, ok? Vas-y. Non, mais avoue, il fait nimp là quand même. Il fait que du drill, mais tout le temps il fait ça. C'est pour ça, à chaque fois, je lui dis, même Sofiane il fait ça parfois, je lui dis, calme-toi, tu sais. Parce que moi je suis surveillé par les staffs. Mais moi j'ai pas envie de me faire virer à cause mais de même, lui. Même tout. Tu sais que hier, rien que là, j'ai fait une garde de vie à cause de lui. Parce que moi j'étais dans la voiture quand il a écrasé l'autre mec là. Punaise, mais
Ouais. Mais oui, il pense qu'à lui. Et le colonel, je crois, c'est, ouais, c'est le colonel, il dit ça, il dit que c'est le meilleur de la brigade, l'un des meilleurs, mais. Mais bon. Mais non, mais il dit que c'est l'un des meilleurs. Mais en fait, je sais pas ce qu'il fait en fait. Mais. Ouais, hier, on a eu une course poursuite avec la nationale, on était sur un Twizy, et je crois que j'étais le seul à la tenir. Hein. La nationale était un peu derrière quand même. Hein. Mais moi. Et j'étais en C4 hein, dans la neige. Mais tu sais que j'en peux vraiment plus là de lui là, et ça m'énerve. Hein. En plus, tu sais qu'il croit qu'il est beaucoup trop fort. Mais genre même, mode... même moi, c'était quoi, fait... il était, je crois, mais une heure. Fait... Il y avait encore mais plein de joueurs, hein. Il montait sur les montagnes avec une Mégane. Mais tu sais qu'il croit qu'il est beaucoup trop fort, hein, mais vraiment. Il croit que c'est valide. Regarde. Il a pas le droit de faire ça. Moi, ce que je fais, c'est que je suis sur autoroute quand je prends une C4. Non, mais tu sais qu'il croit qu'il est trop fort. Hein. Il dit qu'il a trouvé tous les points de drogue, que c'est qu'il a fait des meilleurs trucs que toute la gendarmerie réunie. Et tu sais ce qu'il me dit ? Il me dit en 4 jours, j'ai fait 36 heures de trucs. Je lui dis, mais mec, ça fait 2 jours que je suis là. J'ai fait presque 20 heures. Et moi, depuis depuis que je suis là, je suis whitelist. En mode. Genre, il se croit trop puissant, tu sais. Moi, depuis que je suis gendarme, depuis mardi, j'ai fait je sais pas combien d'heures là, je fais plus de. Je crois que j'ai fait plus de 30 heures, je crois. Hein. Vas-y, attends, go parler in-game. Vas-y. Hein oh, ouais. Je suis là. Moulou, tu m'entends? Oh, ouais. Je te parle ici, hein. Oh, ouais. Et t'es sur la radio 112? Normalement, oui. Hein. As-tu une licence, non? Oui, je suis sur la radio. Okay. Attends, je vais pas faire le. Tu veux que j'aille faire le plan ou pas? Mais la moitié, moi je crois que je mets même pas la moitié au cas où parce qu'on sait jamais si la voiture casse ou quoi ou qu'on change de véhicule. Ok, attends. Vas-y, attendez ça s'il te plaît. Attends. Voilà. Non, moi je traîne jamais avec du liquide moi. T'as dit quoi ? Je traîne jamais avec du liquide moi. Mais moi j'ai du liquide, j'ai retiré tout à l'heure là. Ah, moi je prends que ce que j'ai besoin, je crois que je suis un rabbin. Parfois j'en ai, mais bon. Tu montes ? Ok. Oh. Pourquoi je me pose, c'est sur les autoroutes, tu sais, comme je me mets en C4, je me mets sur les autoroutes de la plage là. Je me cache et dès qu'il y a un véhicule qui passe ou quoi, je le prends. Ouais. Parce mais que ce côté plage, il n'y a personne qui passe parfois. Mais à la plage, hier c'était le bordel là. Tu sais, on a interpellé des personnes. Le mec, c'était le bordel, il voulait même pas, genre. Enfin bref, c'était. T'as capté. Ouais, je crois avec les collègues, je vois, ils passent jamais là-bas. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais me poser un peu en. Quand j'ai en C4, je me cache un peu. C'est en gros comme si j'étais derrière un radar quoi. Mais je crois qu'on est vraiment genre on a y a pas beaucoup de JV mais on est quelques-uns qui a respecté le truc hein, vraiment c'est incroyable. Mais en fait il faut en fait tout le temps il prend des autres voitures de ouf lui. Mais moi j'ai demandé. Attends là-bas tu l'as vu. Et je crois que c'était la plaque arabe. Ouais mais on a pris le bandeau quand même hein. Ah, je crois que le C4 sont un tapis mieux. Attends, il y a le collègue là-bas derrière. Dis pas, il a fait un accident. Si vous voulez, je vous envoie une pause et il va être là à côté de moi, la personne. Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur ? Oui. Oui. Votre collègue est tombé de la voiture pendant qu'il était en poursuite avec un individu. D'ailleurs, tout à l'heure, on m'a craché dessus, donc c'est pour ça que la nationale est venue. Excusez-moi. Bon. Excusez-moi. Okay. Voilà. Mais je le retrouve, je vous envoie une position. C'est quoi votre comment ça s'appelle ? C'est quoi votre numéro en fait ? Mon numéro ? C'est police, normal. Ouais, nous c'est police. Je crois. Nous on reçoit les messages de la police aussi, non ? Je ne sais pas, j'ai jamais reçu d'alerte ou quoi. Attends, j'ai jamais reçu d'alerte. Je sais pas. Je crois que c'est la nationale pour l'instant. Ouais.
Bon allez messieurs, on va vous laisser. Au pire, vous vous envoyez un message sur Twitter s'il se passe quelque chose. On a un peu tout. Vous l'avez reçu ou pas? Non. Non, 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 on recevra. Ah, okay. Un petit peu toujours l'œil sur Twitter, donc on... Si il se passe vraiment quelque chose... Et dites à votre collègue qui m'a renversé et qui a fait la bavure, là. Dites-lui que... Vaut mieux pas c'est que celui qui était là-bas, là? Non, 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 l'autre. Il y a un collègue à vous, il m'a foncé dedans. C'est pour ça que, d'ailleurs, la dernière fois, vous avez eu un... Toute la gendarmerie convoquée... Ah oui, ok, bah c'était lui. Qui, lui? Bah celui qui était à côté, vous êtes fait rembourser à côté du Noroto? Oui. Ah bah oui, bah c'était lui qui a fait un accident. Non, ça c'était côté passager, non? Non, non, c'était moi le passager. Ah, c'était lui? Ouais, moi j'étais le passager et lui c'était le conducteur. Et c'est lui qui... Ah bah j'arrive, je remets de l'essence, je reviens. Alors le collègue, il est pas dans la merde. Non mais... En plus il a encore fait un accident, je crois. Bah ouais. Mais il fait que des dingueries de toute façon. Vas-y, de toute façon, nous on s'en occupe pas, c'est pas grave. Ouais, c'est pas notre problème. Non. On fait comme on peut, nous. Vaut mieux ne rien dire, même que le chef. Ouais, on fait notre travail, et puis c'est le colonel. Voilà. On est récompensé si on fait du bon travail, si on fait de la merde, et bon, on est pas récompensé. Puis voilà. Attends, je vais voir un truc sur mon téléphone. Je vois que j'ai un compte là. C'était mon chelon. 6300, ça va. Ça va, 6300, les gars. Toi, t'es là tous les jours, Mouloud? Normalement, oui. Hein. Surtout du tard, ouais. Après, je viens tôt. Bah, aujourd'hui, je suis venu super tôt, mais. Après, voilà. La semaine d'études, etc. pour quelques-uns. Ouais. Moi, je viens tôt aussi en ce moment là. J'ai des études pour la gendarmerie encore, mais. Il n'y avait pas de cours aujourd'hui. Les professeurs de gendarmerie étaient pas là. Ah oui, ok. Ils étaient pas là, quoi. Attends, je crois qu'il y a... Attends, on va mettre les girons, on va voir. Attends, je sais pas ce qui se passe encore. J'entends des girons aussi, ouais. Attends, là-bas, derrière. Je vais qui vient pour lui, attendez. Mouloud? Ouais. Ce soir, y a des trucs de prévu ou pas à la gendarmerie? Je sais pas. Hein. J'ai eu qu'une information pour l'instant. On voit pas grand monde là faire des infractions là. Ouais, bah comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais avec un collègue de la peine là. Je crois que c'était de la BAC, un truc ça. Ou non, je crois que c'est de la peine. Il était en comment dire, en patrouille et on a parlé un petit peu. Hein. Il n'y avait pas trop d'intervention. Bah ouais, bah après là on ça va là. À part des camions de poubelle qui font des virages assez vitesse. Ouais. Moi aussi j'en ai arrêté pas mal d'accueillement de poubelle. Et puis là celui avec la plaque d'immatriculation. Attends, oh alors là, lui. Alors lui. Pourquoi ça? Attends, tu peux mettre la sonnerie s'il te plaît? Ah voilà, c'est bon. C'est bon? Attends. Il est à gauche d'un petit ruelle. Ouais, t'inquiète. Il est à droite. Là, ça va. Oh là là, comment j'ai géré? Et derrière. Ah oui. Exact. Il a cru qu'on avait vu. Ça va. Ouais. Bah en même temps, je l'avais pas vu, hein. Heureusement que j'ai vu l'effort. J'étais sûr qu'il allait faire ça. Ah oh. Putain. Ah, fait chier. Ah. C'est dommage, dommage. Oh, non. Aïe. Ah là. Ah putain, fait chier.
arrière là, non? Ah, je suis pas sûr. Ah non, non, non. Il est là-bas. Oh. Eh, j'aurais dû prendre notre voiture, putain, je suis trop con. Le C4 est très très maniable, il freine bien. Ouais. C'est plus pour la neige. Il va droit. Ok, tu l'as vu. Ouais. Ah, il monte l'escalier. Il est monté à droite dans l'escalier. Ah, à gauche, il est monté dans l'escalier. C'est mort. Il est monté dans l'escalier là, il est monté en haut. Regarde à gauche là, il utilise l'escalier. Attends. Là, il est monté sur les escaliers là. Ouais, mais il a le droit de faire ça là. Je crois pas, hein. C'est pas un cross, hein, même un cross. Y'a un souci, collègue? Comment? Y'a un souci ou c'est vous voulez? On est en course-poursuite avec un scooter, mais. Vous faites des demandes de renfort, vous êtes là, vous êtes tout seul. Bah ouais, mais on pensait pouvoir l'arrêter, il était en scooter. Mais il est monté dans les escaliers. Bah faites des demandes de renfort, vous êtes deux, non? On l'a plus. Bah oui. Allez-y. On l'a perdu, il est monté par des escaliers. Oui, on l'a perdu, là. Quel escalier? Bah, avec son scooter, il y avait des escaliers, il est monté par les escaliers pour monter au-dessus du pont. Vers, je crois, les FIB, un truc comme ça. Et nous, on est en voiture, donc on n'a pas pu le suivre. Il est quel coup, il a porté quoi? C'est il est en 50 cm cube, comme tu viens de les voitures de les motos de location. Retenue, on avait pas trop. Ok. Chercher une C4. Bah en quoi là, on va essayer d'y aller en. Tu veux qu'on aille chercher la C4? Je crois que c'est mieux. Vas-y. On est dans Pam Bravo, c'est ça? Attends. C'est ça. Pam Bravo, retour brigade pour changer de véhicule. Je reviens dessus. Hein. La Mouloud. Discord, t'es plus là? Ouais, je me suis fait kick pour nom et prénom RP parce que j'ai eu un problème avec mon Steam, c'est incroyable. Vas-y, je vais chercher le véhicule et je reviens en C4, je t'attends. Ouais, mais t'inquiète, je respawn. Je suis sûr que je vais même pas respawn. Je respawn au centre-ville, hein, pas exemple. Non, tu respawn pile poil là où tu crashes normalement. Enfin, où tu despawn. Mais moi aussi, j'ai fait ça une fois. J'ai changé mon Steam. Enfin, quand je t'en ai offert au début, quand j'ai eu mon PC, ils me disent ouais, votre truc. Je dis ouais, j'ai changé. En plus, j'étais en live hein, quand je l'ai fait. Et je revais, je dis ah ouais. Mais il y a mon Steam, Moi j'ai lancé FiveM alors que j'avais pas lancé Steam et du coup ça me mettait admin au lieu de marquer quoi. C'est bon, ça commence à m'énerver moi. Mais qui veulent absolument qu'on mette maintenant un prénom RP. Moi c'était en fait c'est un bug, il y avait écrit dans Steam mon pseudo et tout, mais in-game ça me donnait deal de l'extrême. Ça me mettait mon pseudo YouTube. Du coup je me suis dit vas-y attends, je vais refaire. En fait juste à refaire entrer, c'est bon. Ça m'énerve quand même. Ouais, c'est lui qui vient pour finir ça. Ouais, bon, on s'en fout là. Là, faut qu'on aille chercher la C4 là. Ouais, je vais chercher la C4, j'y arrive. Attends. Attends, bah ouais, là, je suis sur. J'ai mis un point là où je t'ai plus vu arriver, attends. Du coup.
Attends. Je vais être à peu près là. Attends. Je vais voir si je peux voler une voiture. Non, n'essaie pas. Je te déconseille parce que je crois que les flics qui vont recevoir. Attends, je crois que c'est quand je suis à la brigade. Attends. Attends. Tu m'entends? Ouais. Et il faut qu'on fasse un retour de brigade parce que j'ai perdu mes vêtements. Okay, enfin, moi je l'ai enregistré mes vêtements, c'est plus pratique. Bah en fait, moi j'ai mes vêtements de gendarmerie mais j'ai pas mon gilet pare-balles ni rien, tu vois. Aïe. Putain, ça rend fou, ça peut pas rentrer dans le garage. Attends, je reprends, je l'ai rangé là. Il est où là, C4? Il est là. Et j'y arrive. C'est comme si tu repassais pour venir me chercher en fait. Oh, ouais. Allume ta radio, etc. Là, il y a bien marqué. Non, négatif. On va juste chercher mon collègue qui a eu un petit problème de tête et c'est bon, on repart en patrouille après. Ah si, attends, Ghost Mule sur Discord. Moi je suis un truc là. Et j'arrive, je suis en C4. Mouloud, t'es où? Attends, je mets les sirènes, comme ça tu m'entends, tu me diras. Et comme je suis en contre-sens, j'ai mis les sirènes. Et toi, t'es sur l'autoroute, mais moi je suis vers là où il y a le portail là. Où ça? Bah là, le portail de la gendarmerie. Ah, t'as respawn là-bas? Non, mais j'y suis presque là, je suis à pied là. Ah, il fallait me dire. Je suis revenu sur la tour. Attends, je peux pas me menacer en. Attends, si je fais ça. Mais attends. C'est trop chiant là. On a pu pouvoir aller au pire, moi j'en ai plus. Putain, ça marche pas. C'est chiant. Déjà, attends. Vas-y, c'est derrière. Tu veux conduire? Ouais, mais faudrait que j'aille. Attends, bah vas-y, laisse-moi conduire. Vas-y, attends, je me mets sur Discord. Tu m'entends, Mouloud? Oui. Ok, Attends, je vais faire un. Vas-y. Je vais faire un. Quoi dire? Après, je vais faire un départ de patrouille. Dès qu'on repart, vas-y. Mais toi, essaye de t'occuper des calls de radio et moi je vais m'occuper de la route. Vas-y. Mais là, je dois aller chercher mon gilet pare-balles et j'arrive. Vas-y. Et j'espère que ça va ouvrir. Ouh. Oh, let's go. T'as juste éteint les sirènes du kangou là parce que. Vas-y. Vas-y, attends, j'arrive. Vas-y. Panama. Qui se connecte, Sofiane là? Tu trouves qui se connecte? Comme ça, je donne son petit cadeau là. Je suis un bâtard quand même. Salut de Panama. C'est bon, je suis là, quoi. Bon, vas-y. T'as pris tes armes, etc. Ouais, t'inquiète, okay. Après mes armes, je les ai tout le temps sur moi. Ok. Oh, j'ai failli toucher, hein, mais j'ai pas touché. Celle de gauche, peut-être. Ouais, elle va sûrement marcher, celle de gauche. Celle-là est déjà. Oh putain. C'est chiant les portes, hein. faut demander qu'ils le règlent. Ouais. Parce en que fait, là... ça dépend du moment quand ils ont envie de marcher, les moteurs. Ouais. Ils sont battus chez moi. Ça, je crois que c'est la neige qui en faisait un là, punaise. Ouais, ça a bloqué là, le circuit il est bloqué. Ah, ça fait un gros circuit au moteur là. Vas-y, je fais un départ de patrouille. Tu veux que je fasse?
Non, attends. Bravo. Pem, bravo, départ de patrouille, hein, Citroën, c'est 4. Deux patrouilleurs. Toi, tu les fais comme ça, t'es cool. Ouais, je sais pas trop comment faire, du coup, je détaille un peu. Bah, moi, je fais Pem, bravo. Début de. Ah. Attends. Ah, bah non, le collègue, bah, il est plus en début de départ de service, là. Attends. Je crois qu'il est très très mal. Oula. T'inquiète, tu peux toucher. Yacine ? Collègue ? Aïe. Aïe. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, j'ai fait du deux roues. Oh. Ça, vous avez relevé ? Ouais. Mon airbag m'a sauvé la vie. Ah oui. Bon, bonne patrouille. Hein. Bah, vous aussi, hein. J'espère que ça va aller mieux. Force à vous en C4. Allez, force. Ça va être cool. Au revoir. Franchement. Du coup, moi je dis Pem, bravo, début de patrouille, tout secteur en Citroën C4. Ok. Parce que tout secteur, ou sinon tu détailles le secteur, moi je dis tout secteur parce que je fais tout le centre-ville et tout ouais, ça. Ouais, à peu près. Mais sinon je peux dire je peux dire centre-ville ou tout secteur plus nord, tu vois. Ok. Ou plus dans le nord ou des choses comme ça, tu vois. Ça se dépend. Mais après, dans le nord, c'est sûr, c'est quand on va essayer de chercher des gens qui font la drogue, des bah ouais, de la drogue, même si en fait on suspicionne un point, c'est un champ en fait où il y a plein de personnes, on arrive à les perquisitionner là-bas avec de la drogue et tout ça, mais en fait on n'est pas sûr du truc parce que bah il y a quand même des personnes qui y travaillent et tout ça, tu vois. Enfin, des personnes qui travaillent, on voit les agriculteurs ou des gens comme ça, donc, Ok. Bah après je crois que c'était le... Ouais, Yacine, je crois que... Enfin, je sais pas si c'était il y a longtemps, mais... Je crois qu'il y a hier ou avant-hier, là. Il avait vu un véhicule qui était parti en délit de fuite, là-bas. Ouais, mais nous aussi, on en voit plein des personnes comme ça. Hier, okay. Hier matin, avec Laurent et tout ça, Fares aussi, on a fait une planque là-bas, vers le champ, et il y avait des personnes et tout ça en scooter et tout ça. On a essayé de les chercher, mais... Et à chaque fois, je sais pas comment ils font en scooter pour nous semer à chaque fois, ça m'énerve. C'est ça, le problème c'est que les scooters c'est trop facile, tu passes dans un petit trou, c'est bon, t'es plus là. Mais ouais, en fait, c'est ça. Il y a trop de... Enfin, surtout ouais. Que le scooter de location, il est trop rapide. Ouais, en plus, je comprends vraiment pas. C'est qu'ils partent en course-poursuite alors qu'ils... Tu sais, il y en a qui partent en course-poursuite alors qu'ils ont rien sur eux, tu sais. C'est ça, genre, c'est ça, ils ont juste envie de remettre en ligne. Ouais, mais même pas pour ça, en fait, tu vois, ça sert à rien. Ils se font contrôler, on leur demande est-ce qu'ils ont leurs papiers ou... Ils ont tout en règle sauf ils ont envie de partir en études, voilà. Ouais, voilà, en fait, c'est rien, en fait. Ils prennent une amende plus grosse pour rien, en fait. Tu vois, ils auraient pu juste se prendre, je sais pas, des points un petit peu de retiré ou... une petite amende, enfin, une petite amende, tu vois, c'est une amende quand même, mais... plutôt de partir en délit de fuite où c'est limite deux fois l'amende... Enfin, il y a sûrement excès de vitesse avec délit de fuite, donc tu vois, ça fait quand même deux amendes, plus refus d'entempérer et tout ça, tu vois. Ah, ben c'est ça, c'est que ces gens, c'est encore, je crois pas, c'est incompréhensible. Ouais, en fait, ils réfléchissent totalement incohéremment, je sais pas si ça se dit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, il y a aucune cohérence dans ce qu'ils font. Bah bon, qu'est-ce que je veux qu'on fasse ? Il faut rien faire à ces personnes, il faut qu'ils se font un test médical, je crois. Tout à l'heure, j'ai mangé au KFC, c'était bon. Hein. Moi, je suis allé au McDo, c'était fermé. Aïe. Il a voulu prendre ma poste de service là-bas, bah du coup, je l'ai pas pris. Ouais, je mangeais un petit KFC au calme, ça va. C'était bien. Tu veux qu'on aille patrouiller où, je sais pas. Bah en vrai, par les endroits. Moi, à chaque fois, je patrouille par où personne passe de notre brigade. Hein. Parce qu'à chaque fois, il y en a qui passent pas par des endroits, moi, je passe et tout. C'est jamais, tu vois. Parce que comme les gens ils vont voir qu'on passe jamais dans des autoroutes où on passe pas, etc., ils vont en profiter. Mais ça serait bien qu'on ait les alertes du coup de messages et tout ça. Et tu vois les alertes quand il y a des excès de vitesse là avec les... Ouais je vois, les radars, les plaques et ça. Ouais, tu vois les radars là, il y en a un tu vois. Mm-hmm. Mais en fait ça serait bien déjà qu'on arrête de se faire flasher par les radars. Qui détecte que la plaque est... Ouais, parce que quand on part en course poursuite et qu'on se fait flasher pour rien tu vois, c'est un peu chiant. C'est des bateaux ça ou quoi. C'est vrai qu'ils devraient capter que c'est quelqu'un du gouvernement qui est en service quoi. Oh bah oui.
Merci pour Pomme Alpha, début de patrouille secteur nord sur les suspicions de Pan Rock. Reçu. On va aller vers la plage. C'est vrai qu'on patrouille devant les cités aussi, mais on fait pas partie de la psych, donc je crois qu'on a pas trop le droit. Ouais, des fois de temps en temps, ouais. C'est rare un petit peu. Moi j'aimerais bien le... Attends. Je vais faire un message sur Twitter pour demander s'il y a le barbeur encore aujourd'hui. Bah moi je demande au barbeur depuis genre 3-4 jours, 2-3 jours et jamais il est là. Bah moi je demande le barbeur tous les jours parce que bah moi aussi je demande le barbeur tous les jours, jamais là. Faudrait qu'il genre je sais pas, il mette quelqu'un qui soit toujours là. Bah ouais, parce que là ça commence à devenir chiant quand même. Non. Moi j'aimerais bien qu'il me fasse des implants là en Turquie là. Parce que c'est chiant là. Je suis arrivé en ville, j'ai eu un problème. Faut qu'il me fasse des implants. C'est trop chiant. Du coup, je m'ai abonné. De base, tu sais, je voulais mettre une casquette police. Ou un béret, tu vois. Enfin, un truc qui fait penser à la gendarmerie militaire, tu vois. Mais y'a aucun, y'a rien. Déjà les casquettes, c'est que des casquettes genre où il y a marqué Los Angeles, tu vois les grosses casquettes. Ouais. Non, moi je voulais une casquette. En fait maintenant je voulais une casquette une petite casquette, enfin je sais pas si tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Mais y a pas. Et pourquoi y'a personne là? C'est pas possible. Non, 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 non. Ah, oh, attends, lui. Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Sur le bas-côté, s'il vous plaît, suivez-moi. Vous m'entendez? Oui. Monsieur, vous m'entendez? Suivez-moi. Suivez-nous, monsieur. On va se mettre ici. Sur le trottoir. Trottoir, voilà. Ici, quand même. Vas-y, reste là, jamais. Et relevez. Oh, attends. Ok. Oui, donc, monsieur. Oui. Vous roulez vite, là, quand même, non? J'étais à 50, monsieur. Portez du parking. On est bien d'accord, il a roulé vite là, non? Petit excès de vitesse. Moi je l'ai vu, ouais, je l'ai fait rouler vite. Parlons. Comment ça, pardon? Regardez mon régulateur, s'il vous plaît. Bah, je veux pas regarder votre régulateur. Bah, oui. Regardez mon régulateur, je vous montre la preuve. Allez-y. Non, limité 50. Bah, c'est. Nous, on vous a vu aller très vite là. Ah, parce que c'est une grosse voiture qui a 700 chevaux, que je roule vite, c'est ça? C'est ce que vous pensez? C'est bah, non, je pense pas ça, c'est juste que je vous ai vu partir à toute vitesse. Vous avez une preuve de ça? Bah oui, je vous ai vu de mes propres yeux, on est deux. D'accord, vous avez un test? Vous avez un test? Bah le flash? Vous avez pas le flash? Vas-y. Et puis même, j'ai même pas besoin de modifier en fait. Bah si, bien sûr que si. Bah bien sûr que non, je vous arrête. Bah non, il faut une preuve. Donc maintenant, soit vous êtes coopératif, soit vous ne l'êtes pas. Comment ça? Je viens vous dire que j'ai pas fait d'excès vite. Vous me dites que j'ai fait d'excès vite. Montrez-moi la preuve que. Laissez-nous vous contrôler, c'est tout. Bah allez-y, contrôlez-moi. Bah très bien, passez-moi votre déjà dites-moi votre nom. Alexis Corleone.
Alex Corleone. Est-ce qu'il y a moyen que tu vérifies la voiture ou pas, s'il te plaît, collègue? Oui. Regardez. Numéro de votre permis, s'il vous plaît. Attendez. Chargez mon portefeuille. Tenez, je monte mon permis directement. Je ne vois pas. Vous voyez pas? Non, faut que vous me donniez le numéro. Vous avez son prénom et nom sur sa carte d'identité ou quoi? C'est un permis à points, on est d'accord? Oui, oui, oui. Le numéro du permis. Mais je l'ai pas. Pourtant, je viens d'en sortir. Ah. Ils me disent récupérer. Ils m'ont dit que j'ai bien récupéré le permis à points et là, je l'ai pas. Faut faire un truc? Bah. Vous ne l'avez pas sur vous là? Bah non, ils me disent que non. Bah là, alors que je viens d'en sortir? Bah oui, on vous a vu pourtant, mais je sais pas. Bah, vous pouvez juste m'emmener là-bas? On y va à pied? Bah non, parce qu'après. Non, monsieur. Bah non. Ça marche pas comme ça. Si vous avez pas le permis, monsieur, ça va être difficile pour vous. Hein. C'est conduite sans permis là, monsieur. Mais d'accord, mais vous comprenez bien que je viens quand même de sortir de l'auto-école et j'ai bien eu le permis. Bah non, pas forcément, on vous a pas mis dans l'auto-école. D'accord, mais moi la dame m'a dit que j'ai bien récupéré mon permis. Bah ouais, mais qu'est-ce qui me dit que je vous crois? Bah je sais pas moi. Bah vous oui. Vous savez, avec des bondis, on peut croire tout le monde. Hein. Je peux pas vous croire comme ça, moi. Qu'est-ce qui me dit que vous avez juste pris rendez-vous pour passer votre permis? Donc ça veut dire que j'aurais pris une voiture de 700 chevaux, je me serais arrêté et je serais à train de là vous dire. Vous croyez pas qu'avec 700 chevaux, avec votre C4, je serais pas parti? Bah je sais pas, franchement, moi. Franchement, vous, non, de vous à moi. Bah après c'est votre conscience, hein, si vous voulez faire un délit de fuite, hein. Moi c'est. Après on vous aurait cherché, quoi. D'accord, mais avec une C4, vous pouvez pas me chercher bien longtemps, on est d'accord. Pourquoi je me suis arrêté? C'est ce que j'ai rien à mon projet. Bref, est-ce que tu peux lui mettre l'amende s'il te plaît, collègue? Oui. Et moi j'ai une amende, mais moi je vais de suite à là-bas à l'auto-école, je vais gueuler. Bah allez-y. Hein. Et je la ferme le véhicule. Voilà. C'est une amende de combien pour conduite sans permis? Attends, je vais vérifier ça. Ah non, regardez, non, si je l'ai. Non, Le numéro? Permis à point, ouais, 130. Ok, attends, allumez pas. Okay. Mais comment ça se fait? Je l'ai pas dans le porte. Attends. C'est quoi ce bordel? Ok, Alexis Corleone, ok. Point 12. Attendez, je vérifie la plaque. Une question, je peux parler chinois. Pourquoi je l'ai dans l'inventaire et quand je clique, ça m'est utilisé? C'est normal. Tu l'as utilisé ou pas? Non, faites pas utiliser. C'est dans vos poches, monsieur. Ok, très bien. Ok, du coup, on va vous retirer quelques points pour l'excès de vitesse. Mais quel excès de vitesse? Vous êtes sérieux, monsieur? On lui retire des points, collègue ou pas? Bah en vrai, je sais pas, parce que si. Peut-être c'est. Bah. Parce qu'en fait, s'il est sorti d'un stop, ça veut dire qu'il a quand même. Sauf s'il a un peu appuyé fort et après il a ralenti, mais. Moi, je l'ai vu un peu appuyé après. Peut-être que ouais, vous avez appuyé d'un coup sur l'accélérateur sans faire exprès et après ça a ralenti. Hein. On vous met un avertissement. Ok, j'attends. Vous à l'œil, on va dire. Pas le problème. Si on vous voit traîner. Attends, Mathis! À 200 en ville, non, vous croyez pas que. Bah, je sais pas, vous avez une grosse berline quand même. D'accord, mais. Alors, dites-moi peut-être sur l'autoroute, d'accord, mais pas en ville. On est bien avec les enfants. Mais sur l'autoroute. On peut pas. Bah oui. Ok, très bien, bonne journée, monsieur. Merci. Bonne journée, monsieur. Ouais, Discord, fais gaffe, il y a un admin qui a dit. Pour faire sur le parking, il a forcé toi. Comment enfin, faire l'arrestation sur le. Attends, enlève le sirène. Faire l'arrestation sur le parking la prochaine fois. Bah oui, mais je voulais y aller sur le parking, mais. Ok. Ah, okay. Fares, il est là avec. Ok. Vas-y, go smut. Mouloud? Mouloud, oui, tu m'entends? Oui. Ok. Faut que. Ça va, on a été gentil quand même, hein. Oui, ça va, après, on pouvait pas trop. À la fin, il a commencé à trouver son permis dans ses poches là, il le cherche un peu. Bah, attends. Lui, il a avancé. Il a vraiment. Ah bah. Ouais, bah non, mais là, vas-y, on est mort. Il a une. Regarde, tu vois, c'est tous les gens comme ça. Ouais, ils ont des gros véhicules. Tu vois, bah ouais, mais aussi au bout d'un moment. Et comment ils ont assez d'argent pour acheter des trucs comme ça, sans déconner? Au bout d'un moment, hein, c'est pas possible. Tu vois, il aurait pu juste se faire contrôler normalement, tu vois. Monsieur, on se met sur le bas côté, on s'arrête. Allez, sur le bas côté, s'il vous plaît, monsieur.
Mais qu'est-ce qu'il fait en marche arrière? Délit de fuite sur une Porsche rouge. On est devant. Je vous ferai. Attends, je vais couper les sirènes. Est-ce que tu peux les mettre s'il te plaît? Parce que ça, je suis détaché du coup. Vas-y. Attends, on va couper par là. Tu les as mis? Ouais. Ok, bah j'entends pas. Pire, tu actives les gyros, tu les as réactivés. Ouais, ouais, mais j'ai activé les gyros. Il est vers le concessionnaire, parc central. Ça va, on arrive à le voir quand même. Merci. Je vais vous faire des codes. Vas-y, fais des codes s'il te plaît. Eh, c'est une Maserati, ça va trop vite ça. Non, c'est une Porsche Panamera. C'est une Porsche. C'est une Porsche. Je vous ai fait un point de renfort. Une demande de renfort. Il est parti où? Oh putain. Bah ouais, ça c'est la C4 hein. Nous avons perdu la personne, elle est partie. Donne le nom, donne la voiture, ce que donne le nom de truc de la voiture. Du coup, le véhicule qui était en délit de fuite, c'était une Porsche Panamera rouge et je crois un petit béquet carbone. On l'a. Des codes s'il vous plaît. Est-ce que tu pourras me ping les codes s'il te plaît? Ok. C'est là non? Ah, c'est le dernier. Ouais. On est parti en place des clés. Ok, monsieur, on s'arrête. Aïe. Il a pas mal, hein. Mais il a pas mal. Mais quoi? Ah, mais je crois qu'il a un. Il a un corps en acier. Mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Une grosse secousse là. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible, hein. On est bien d'accord que c'est pas possible, hein. D'accord que c'est pas possible, là, ce qui vient de se passer, les collègues. Ouais, partir sans avoir mal, ouais. Ça m'énerve. C'est toi qui as fait pouf. Ouais, bah, déjà que les gens, ils ont des gros véhicules et... Ouais, mais ça m'énerve, mais... Mais ouais, mais ils auraient pu... Je sais pas. Oh là là. Attends, on va aller au Noroto. Ouais. Attends, faut que j'aille retirer un petit peu d'argent. Tu veux que j'alerte en radio? Non, t'inquiète. Putain, c'est relou, les gens. Frère, ils jouent pas leur pain, sérieux. Ils jouent pas leur pain. Ils jouent pas leur pain, frère. Pourquoi ils jouent pas leur peine les gens, frérot? Ça m'énerve. Pourquoi ils jouent pas leur peine les gens? Elle est là. Oui. Arrêtez-vous, monsieur. Parking central, vers le concessionnaire, elle est la Porsche. Alors lui, si je l'arrête pas... je crois qu'il a pris un gros choc. Vas-y, mets la sirène, moi ça me détache. Vas-y, merci. On arrive à le suivre quand même, parce que bah on a de la chance quand même. En fait, elle va pas si vite que ça, en fait. Mais c'est juste qu'on a pas une... On a une C4. Attends... Il est... On vous suit, collègue. Regarde-moi, j'ai pas la ceinture, hein. Oh non. Il tourne autour... comment dire... Attendez, je fais un point. Attends, je vais passer... Ouais, voilà, tu l'as... Il passe place des cubes, là. Ah ok, vous l'avez, c'est bon. Il est où là? Il est place des cubes, je crois qu'il est à droite, non? Non mais je sais pas. Mais déjà quand il a fait l'accident, il devait s'arrêter. Vas-y, go Naruto, sinon notre véhicule va pas tenir. Vas-y, fais le code pour dire qu'on va au Naruto s'il te plaît. On va au Naruto avec notre du coup avec la C4. On lâche la poursuite, on l'a perdu. Bon ça, attends, si on arrive à le voir maintenant, tu vois, genre on peut essayer mais... Je sais pas. Juste faut faire gaffe qu'ils ne foncent pas dedans en plein intersection parce que là j'ai pas de ceinture, j'ai rien. Bah attends, bah là mets ta ceinture, attends, j'enlève les gyros. Vas-y, bon. Dépressif, t'es vraiment dépressif toi.
En plus, j'avais joué intelligemment puisque je m'étais mis devant, tu sais, pour pas qu'il avance. Normalement, il doit freiner, il doit plus bouger, parce que s'il tape ses dents. Ou sinon, si, enfin, oui, à ce moment-là, il nous fonce dedans et je sais pas, il est mal quoi. Minimum qu'il descende ou, enfin voilà. Ouais, je sais pas, ou kick. De toute façon, les gens pour pas se faire attraper, ils sont prêts à tout. Ouais, ils sont prêts à tout. Alors là. Mais alors qu'ils ont rien sur eux, des fois, la plupart, tu sais. Oh, j'espère qu'il y a quelqu'un. Oh non. Attends, je fais un appel, on va voir. Je fais un appel mineur. On verra. J'espère qu'ils sont, ils sont là. Ça, en ce moment, la météo s'est calmée. Il n'y avait plus de neige là. Ça fait du bien. Ah, mais ça va peut-être revenir ce soir. Hein. Ça revient tout le temps le soir quand il commence à froid. Ouais, je sais pas. Ah, moi hier soir là ça commençait déjà à fondre, il y avait presque plus rien là. Y'a personne je crois. Bon bah on va retourner en patrouiller, qu'est-ce que tu veux. Bon je crois que je vais faire vite fait une petite pause là parce que j'ai. Tu reviens pas après? Ah si, mais je fais une petite pause de je crois plus de 30 minutes hein. Tu reviens, ok. Ouais mais je vais revenir, c'est sûr. Tu veux pas rester dans la voiture ou je sais pas? Je sais pas du tout hein, peut-être ça va prendre du temps, je sais pas. Ok, bon bah attends, on va. Au pire, tu changeras direct, tu donneras au mécanicien de la. J'ai fait le code radio pour dire qu'on retourne à la brigade. C'est quoi la brigade? Okay, Pam, bravo, retour brigade pour agent première classe Mouloud. Je fais une petite pause de service et le collègue va repartir en patrouille. Il est derrière. Attends, est-ce que tu me permets? Vas-y. Oh, wow. Oh. Quoi? Quoi? Ok. Mais ouais, tu fais que tourner là. Non, mais ouais, mais c'est bon, ça m'énerve. Allez, c'est bon. Allez, de toute façon, lui, je sais pas qui c'est, mais il mériterait des grandes tartes dans la. J'arrive, je vais juste être AFK les gars, je me mute déjà, j'arrive les gars. Parce que j'ai un gros problème là. Je crois que je vais même cut les lives les gars. On se retrouve après, regardez, je vais cut les lives, on se retrouve après, je relance après, ok.